plaisancier. Naviguez en toute sécurité avec Suivez la vague et Nautisme Québec. Pour aller aux États-Unis, c'est très important de signaler son arrivée. Donc, on peut, c'est comme quand vous partez en avion en voyage, hein, vous allez passer aux douanes. Mais quand vous êtes en bateau, on vous recommande d'utiliser l'application CBP, c'est Canadian Border Patrol. Et c'est très facile, donc vous téléchargez sur votre site web. C'est le capitaine du bateau qui doit le faire. Il va enregistrer son embarcation. Il va identifier chacun des passagers à bord qui, eux, évidemment, doivent avoir leur papier d'identification, passeport. Et le capitaine doit bien sûr connaître les numéros d'identification de son bateau. Il entre les informations facilement, donc son arrivée, il rapporte son arrivée, il rentre ses voyageurs et puis c'est tout simple. Ensuite de ça, il va recevoir un appel FaceTime des douaniers pour l'identifier, puis il va pouvoir avoir signifié son arrivée aux États-Unis. Bien important au retour de signifier aussi que vous êtes revenu au Canada, de ne pas l'oublier. Dans le coin de Venise, en Québec, il y a d'ailleurs un autre système qui n'est pas l'application, mais il y a un téléphone que vous allez trouver hacké et vous pouvez utiliser ce téléphone bien important, sinon vous allez payer l'amende et puis on va penser que vous êtes toujours aux États-Unis. Ça, c'est une première chose importante. La seconde chose importante pour naviguer dans les eaux américaines, c'est d'obtenir sur votre bateau de 33 pieds et plus, c'est obligatoire, un décal. C'est une espèce de collant, okay, qu'on va pouvoir mettre sur votre bateau, qui va être bon 10 ans, mais vous devez faire les paiements annuels. Et pour avoir cette autorisation de naviguer aux États-Unis pour votre bateau, bien, vous allez sur un autre site web, vous allez sur le official website of the Department of Homeland Security, en fait c'est les US Customs and Border Protection, vous allez sur ce site et puis vous allez entrer les informations requises à propos de votre embarcation. Votre embarcation va être identifiée pour qu'elle puisse naviguer aux États-Unis le temps de votre visite et de votre voyage pour avoir être en paix et qu'on voit que vous vous autorégulez, que vous prenez soin de respecter les règles. Donc, bonne navigation!